Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce premier live sur donc nos limites coaster. Bah écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Je vous propose de démarrer et on va tout faire depuis le début. Et alors je ne sais pas encore ce que je vais faire comme coaster. Je vais voir, ça va être au feeling. Ça va être vraiment au feeling. Logiquement, le live marche. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce premier live. Le live marche bien, je confirme tout ça. Il y a un petit décalage entre ce que vous m'écrivez et ce que je vais vous dire à l'écran. Au niveau de la qualité, j'espère que ça va, même si j'ai l'impression que c'est un peu flou. Je vais essayer de régler ça dans le prochain live. J'espère que ça va pas trop vous déranger. En tout cas, je vois que vous êtes déjà deux à me suivre. Donc, allez, park settings. N'importe quoi. Nouveau coaster. Je ne sais rien, franchement. Je pars dans quoi? Je pars sur quoi? Je n'ai jamais fait de Mac. Je n'ai jamais fait de Mac. Pourquoi pas? Après, j'aimerais bien faire un Rocket. Ouais, allez, je vais faire un Rocket parce que j'aime bien ces nouveaux rails et je vais les utiliser. Donc ici, on reste sur du close circuit. Du 4 trains au niveau des couleurs, qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire pour les couleurs si je partais sur du gris? Non, on va partir sur du couleur un peu plus excentrique. Je vais regarder ce que ça donne en avec des rails violets comme ça. Ça peut être sympa. Au niveau je regarde en même temps quand si vous m'envoyez des messages hein, sur le côté. Donc je vois que vous êtes trois, donc bienvenue celui qui vient de nous rejoindre. Donc au niveau des supports, on part sur quoi? On va partir sur du gris, ça peut être cool. Ça peut être cool, Raoul. Voilà. Ou alors je pars sur te. Ouais, non, je vais partir sur un coaster que j'aime bien. Un type de coaster que j'aime beaucoup. Et ça va être de l'Inverted Coaster BM, c'est-à-dire celui-ci. Au niveau des trains, du coup, j'en mets 7. 7 ou 8. 7 ou 8. Allez, 7, 8, 8, allez, vendu. Top, bottom, accentuated, top, accented, ouais, ça devrait le faire, avec une main spine rouge, et je vais inverser plutôt peut-être les rails rouges, main spine violet, je vais regarder comme ça, avec des supports gris. Ce que ça donne, je vais juste faire un morceau de track, histoire 2, et je vais faire un espèce de terrain coaster, hop, left. Je vais l'augmenter un petit peu pour mettre la gare une vingtaine de mètres. Bah 20 mètres pile, voilà. Et je vais friser pour voir ce que cela donne. Bonjour aux deux nouveaux qui viennent de nous rejoindre. On est maintenant 5 sur le live. Alors au niveau des couleurs, il est où? Il est là. Ouais, ça passe bien. Ça passe bien. Ok. Allez, donc unfreeze. C'est parti pour le début de ce coaster. Avec donc un inverted BM. Donc hein, n'hésitez pas à mettre quelques petits commentaires. Salut Extra Design, bienvenue à toi sur ce live. Alors section type station. Hop, voilà. Donc combien de mètres ma station, donc on voit ici en bas la longueur de la portion quand on clique dessus, donc là je suis à 14 mètres et c'est plutôt pas mal. On va tout de suite faire une table de transfert. Alors est-ce que je vais faire 3 tables de transfert, enfin 3 garages, 3 voies de garage, ou est-ce que j'en fais que 2? Déjà on va mettre 14 mètres avec une distance de 4 mètres entre chaque storage. Et est-ce que je vais mettre des MCBR ou pas, ou je vais faire un simple coaster, un loop,
suis en train de réfléchir, mais on va peut-être mettre des MC Bières. Donc du coup, je mets 4 4 voies de garage. Pourquoi lui, il veut pas se sectionner? Espèce d'enfoiré. Voilà, on va le mettre ici comme ça, on va le coller et le descendre comme ceci. Blam. Je vais faire quoi comme inverted? Eh ben, bonne question. J'ai ma petite idée, un petit terrain inverted avec plusieurs inversions, avec un loop dans le lift. C'est un peu comme ça que je l'ai imaginé. Après, voilà, ce sera vraiment à voir en fonction de la place et d'idée que j'ai. Là, j'ai envie de faire un petit pré-lift avec une inversion dedans, donc une espèce dirt line roll qui monte directement sur le lift. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et donc, on va tout de suite faire cette petite dirt line roll en descente, voilà. Comme ceci, donc je vais prendre tous mes points jusqu'ici et les smoother comme ceci. Voilà, si je fais ça, que je mets, déjà je vais mettre un roll ici en mode strict à cette node là. Voilà, alors là par contre, juste un truc, parce que je vais peut-être créer des 3DS avec vous dans un prochain live, à voir. Donc du coup je vais mettre du strict ici. Par contre lui il est... Non si c'était bon. C'était bon. 1-2 pour faire la gare qui va s'arrêter ici. Et après voilà. Très bien. Très bien, très bien. Élément deep pump. Voilà. Donc comme ceci. Ou alors, ouais, comme ceci. Pour l'instant c'est dégueulasse. Hop. Voilà, j'ai juste envie d'allonger un petit peu comme ça là. Voilà, ici mettre un petit virage qui va arriver sur mon pré-lift. Ouais, bon, écoute, va te faire foutre. Je vais supprimer juste ces points là et ces points là. Voilà, oh, comme ça c'est bien. Parfait. Je vais regarder au niveau des vitesses si ça va. Speed. On est à du 26 km/h. C'est plutôt pas mal. Pas mal, pas mal. On est 6 à regarder. Bonjour, bienvenue à la 5e personne qui nous a rejoint. À la 6e personne. Pff, oh là là, j'ai eu du mal. Hein. J'ai eu du mal. Hop. On va le faire où le. Ouais, on va faire comme ça. Voilà, on va mettre en strict ici. Comme ceci. Ça, on va sélectionner. Hop. Est-ce qu'on arrive à une vitesse convenable? À 12 km/h, on va peut-être le baisser un petit peu. Voilà, 20 km/h, c'est très bien. On peut même resserrer un peu le virage pour tenter d'avoir quelques petits jets assez sympathiques au niveau donc de la du virage. Voilà, quand on va regarder les forces, wow, on va pas voir grand chose. On va pas voir grand chose au niveau des jets, mais bon. Ah, quoique, il y a peut-être moyen. Quoique, il y a peut-être moyen d'avoir des petits jets sympathiques. Ouais, vite fait. En fait, vite fait. Voilà. Et ici, on va mettre un roll en strict. Comme ceci. Donc voilà. Ouais, pas mal. Pas mal. Ok. Ok, ok. Alors, je suis désolé, je vais accorcher ton pseudo. Hein. Asetf. Ouais, un Lydra. Ouais, sauf que Lydra de Dornier Park est un floorless, et moi je vais faire un inverted, mais c'est vrai que sur l'idée du départ de la gare et un outline roll, c'est fortement inspiré d'Hydra de Dornier Park. Donc là-dessus, tu as plutôt raison. Donc, je vais juste rajouter des vertex comme ça pour bien smoother et avoir un beau virage qui va bien. Donc ici, je regarde, moins 2, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, au niveau des G, on n'a
pas latéraux, donc dans le line roll, c'est tout à fait normal. Et donc on va pouvoir partir sur la construction du lift. Je vais enlever tout de suite ça. Voilà, par contre il y a un truc que je n'ai pas. Non, c'est pas ça que je voulais afficher, c'est quoi? Non, si, en fait j'ai tout. J'ai tout, au fait. Si, voilà, au moins ça. Au moins ça, c'est très bien. Donc je vais rajouter, donc lui je vais le décaler un petit peu, voilà, 1, 2, 3, oh, je vais remettre 1, 2, 3 comme ceci, lui le mettre en strict, alors le séparateur de type, on en met un ici, hop là, section type, lift, pour avoir les petits trous qui vont bien, donc on met des roues de friction, panneau hauteur, on laisse l'anti-rollback, je vais juste mettre pré lift, je renomme à chaque fois hein, généralement mes portions, enfin mes blocs, pourquoi? Bah tout simplement pour au cas où un jour j'ai envie de mettre un script sur un coup de tête, comme ça je peux, j'ai déjà mes noms définis, et puis tout simplement après pour pouvoir gérer en manuel dans le jeu, ce qui est plutôt sympa aussi. Transfer table, c'est plutôt sympa, et donc voilà, ce sera plus simple pour moi si un jour j'ai envie d'être en manuel dans le simulateur. Voilà, donc on est parti sur le lift. Toi, s'il te plaît, tu restes ici, tu bouges plus. Voilà, alors donc je pars, il faut que je réfléchisse, parce que je pars de 20 mètres de haut, sachant que ça va descendre, on va le monter du coup à 50, 55, allez, 55 mètres de haut, voilà. Alors est-ce que je fais une pré-drop? Alors, ACFD, ça peut donner quelque chose de pas mal, j'espère aussi. Est-ce que je vais live régulièrement pour Exta? Je t'avoue que je live si je peux. Quand je suis pas au boulot, quand j'ai vraiment du temps pour moi devant. Là, j'ai de la chance d'avoir du temps jusque 19h15 à peu près, 19h30 même, donc on va pouvoir avoir une petite heure ensemble. Après j'espère pouvoir faire des lives régulièrement. Je t'avoue que c'est vraiment la première fois que j'en fais un et que voilà, j'avais envie de tester, de voir ce que ça faisait. Et puis si ça me plaît, ouais, je vais essayer de live assez régulièrement. On verra bien en fonction de celui-là, si ça vous a plu aussi, bien sûr. Je vais pas live si c'est pour qu'à la fin on me dise que ça servait à rien, que vous n'avez rien appris et que vous n'avez pas kiffé quoi. Voilà, voilà. J'avais dit que je faisais pas de pré-drop. Et pourquoi j'en fais une? Bah parce que je vais en laisser une peut-être. Voilà. Le mec qui sait pas ce qu'il veut quoi. Le mec qui sait pas ce qu'il veut. Donc voilà, je fais ma pré-drop. Voilà, qui paraît ouais, plutôt pas mal. Hop, on va rajouter un séparateur de type là, un ici, on va le monter comme ceci pour arriver jusque là, ouais, là c'est bien. Voilà, lui on va le mettre là. Hop, on va claquer les catwalks. Qu'est-ce que je voulais? Oui, section de type. Lift. Voilà, là aussi, style setting, on va mettre les catwalks. Style setting, là j'ai prononcé bien la française. Hein. Ah, style setting, allez, boum. Voilà, coaster freeze. Alors on est 8. 8, donc bienvenue aux deux autres personnes qui nous rejoignent. En tout cas, ça me fait plaisir d'en avoir 8, comme ça c'est plutôt cool. Alors, le départ, ouais. Ok. Ok. Très bien. Très bien au niveau de la pré-drop, ça me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît plutôt pas mal, et donc là je vais faire une drop en virage. Ah, le problème c'est que je vais être gêné par le transfert track. Du coup il faut que le transfert track je le fasse de l'autre côté, parce qu'il va m'emmerder. Donc je vais reprendre mon coaster. Oula, qu'est-ce que je fais? Hop, je vais le mettre sur un repère comme ceci. Je pivote histoire d'avoir la gare bien droite.
Comment ça se fait qu'elle est pas droite la gare? Toi. Voilà, là la gare est bien droite. Voilà. Hop, on va déconnecter ici. Track. Comment ça se fait que je peux pas split? Split up, voilà. Hop. On va prendre le quatrième comme ça. Et hop. 4, 4, ok. Et pourquoi je fais pas quoi? Je dois avoir plusieurs nodes ici. Si j'enlève celle-là, voilà. Faut pas chercher plus loin. Si vous pouvez pas connecter, c'est que vous avez plusieurs nodes. Voilà, toujours 20 mètres, ok, connect. Voilà. Donc ça c'est fait. On va reprendre mon lift. Bah non, écoutez, ça c'est bien. On va pouvoir commencer la drop en virage. Ouais, ça peut le faire. On va le faire comme ça. Donc la drop. Alors. D'accord. Hatesfi. Enfin, t'as pas plus compliqué comme pseudo. Voilà, un beau bordel pour créer un compte en plus. Christophe63 est pris. Voilà, ok. Salut Christophe. Fais passer tes breaks sous le lift. Ouais, j'avais déjà essayé, mais le problème c'est pour les supports. C'est assez. C'est assez chiant parce qu'il faut faire les supports en fonction de ton. Enfin, en dessous. Donc, bref. C'est pas super. Donc c'est vrai que l'idée elle pourrait être bonne, mais là j'ai pas envie de galérer forcément à faire ça. Par contre, ce qui est sympa à faire avec des final break qui passent sous les lifts, c'est dans les wooden. Donc c'est plutôt pas mal. Je me rappelle, si vous vous souvenez un petit peu de Flow, enfin le Flow qui était sur Coaster World à l'époque, il avait fait un super coaster dont les final break passaient sous le lift. Et donc j'ai des très bons souvenirs en fait de ce coaster. Alors je sais plus si c'était Grizzly, je pense. Enfin bref, dans tous les cas, il avait fait un super boulot. Et ouais, il était vraiment sympa son coaster. Alors lui, je vais le monter un petit peu. Voilà, front. Au niveau de la drop, ça a l'air de passer. Là, il va falloir faire le loop ensuite. Elle a l'air un peu. Je vais regarder, mais elle a l'air un petit peu trop large, ma drop. Il va falloir que je la resserre un petit peu. Je vais regarder au niveau des. Ouais, bah t'as beau dedans, toi. Hop, on va le baisser comme ceci. Voilà. Oh, quoique. Quoique, ça va passer. Quoique, ça va passer. Alors, je vais directement, si le loop va passer comme ça, je vais peut-être juste faire ça, voilà, et insérer des vertex le long de la drop. Voilà, et je vais smoother, donc toujours avec l'outil D-Pump. Voilà, Jean-Yop, un début de layout à ce smiler, ouais, toujours dans le sens avec l'Earthline Roll, donc oui, t'as raison, et un hommage aux victimes, oui, tout à fait, penser à celle qui s'est fait amputer aussi, et toutes les familles, bien sûr, même si s'il n'y a pas eu de décès, c'est toujours un accident tragique, et ça fait jamais plaisir quand ça intervient dans notre passion comme ça. Voilà, j'espère que je suis tout cœur avec les victimes, j'espère juste que. Bah que le parc fera le nécessaire, comprendra très vite la cause qui, à mon avis, est humaine. Après, voilà, c'est que mon objectif, enfin, c'est que mon point de vue est point de vue pas du tout objectif parce que je ne connais pas trop les circonstances et voilà, mais c'est mon propre avis. Après, voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment une grosse pensée aux familles des victimes et aux victimes elles-mêmes qui ont dû être amputés, qui ont dû subir vraiment un traumatisme et qui, à mon avis, ne remonteront plus jamais dans un coaster de leur vie, ce que je peux totalement comprendre. Voilà, donc au niveau de lui, je m'énerve lui, voilà, comme ça c'est bien. Ouais, en fait, si j'enlevais celui-là, j'ai du mal à construire la drop, là, au niveau des roll points. Parce que là, vous voyez, j'ai un peu trop de latéraux et quand je mets un roll ici, c'est pas terrible. Enfin, quoique de. Ouais, d'ici ça passe. Ouais, alors c'est peut-être lui qu'il faudrait carrément enlever, ouais.
J'ai quelques G latéraux, j'en ai beaucoup, pas vrai. Putain, il y a quand même 1,20 G, ça fait pas mal. Ou alors, tout simplement, il faudrait que je commence à tourner ici. Voilà, là, ça devrait peut-être atténuer un petit peu. Ouais, ça atténue un petit peu, on peut faire ça. Voilà, donc après, voilà, c'est bien. C'est bien. Front. Ok. Ok. Alors, c'est très sympa de ta part faire des lèvres. Bah merci GF314, merci beaucoup, ça me fait plaisir ton petit message et pour et je vais pas réussir. Hey, Ace, je vais pas réussir. Ace, c'est compliqué quand même. Bref, oui, un tour, un loop autour du lift, ouais, tout à fait, c'est comme ça que je veux le faire à la Banshee, à la Kumba aussi, qui est lui un looper. Voilà, un loop à la Banshee, un loop autour du lift. Je trouve que esthétiquement c'est joli. Voilà, donc on est parti pour le réaliser. Donc on va le faire un loop d'à peu près. Regarde, on va le faire comme ça. Hop. À mon avis ici ça devrait être très bien. Voilà, est-ce que ça passe bien autour du loop? Au niveau du. Ah, faut peut-être que je le décale un petit peu. Ouais, maintenant, il faut que je décale un petit peu par là. Voilà. Et on va le faire par où? Est-ce qu'on va le faire? On va le faire pivoter vers par ici en fait. Donc il faut que je sélectionne tous mes points de la redescente du loop. Voilà. Hop, comme ceci. Alors, sauf que j'en ai sélectionné un de trop. Voilà, c'était lui. Hop. Voilà. Et on va smoother. Alors, faut pas que le loop soit trop rond, surtout sur les invertides. Sur les invertides, pardon, vous regardez un peu Katoon et compagnie. Bonsoir Arthur, KingRCT3. J'espère que tu vas bien depuis le temps. Hop. Voilà, donc là le loop me paraît plutôt pas mal. Resserré vers le haut, un peu comme sur tous les invertides. Vous regardez le loop de The Monster, Katoon, des gros invertides comme ça, Montu. Et j'en passe, et des meilleurs, et beaucoup de meilleurs d'ailleurs. Parce que les invertides BM, c'est quand même la vie, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même c'est super. Enfin voilà, c'est intense, c'est beau, c'est esthétiquement c'est joli. Enfin voilà, après il y a que nous, hein. C'est marrant, hein, parce que quand on parle de notre passion et qu'on arrive à dire qu'un coaster c'est joli, et on se fait rire par ceux qui ne comprennent pas pourquoi nous on trouve ça joli, ben ouais, c'est quand même joli, hein. Enfin moi plusieurs fois j'ai dit à ma copine, mais putain, mais regarde Baron. À Efteling, il est quand même il est magnifique. Ouais, c'est montagne russe. Ouais, bah, ouais, bah. Tu sais pas, tu sais, voilà, tu sais, c'est beau, quoi, merde. Bon, enfin. Après, je comprends, chacun ses passions. Hop. Et voilà pour ce qui est du loop. Ça me paraît bien. Je vais regarder à quelle vitesse on le passe là-haut. Mais à mon avis, on va le passer à une quarantaine de kilomètres heure. 48, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, je regarde. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Cooldown ou down? Mais toi, t'as toujours des. Ah là là, King, tu changes pas. Tu changes pas. Tu me fais toujours autant rire. Alors, j'ai oublié de préciser que. D'accord, Guigui, bah salut Guigui. Et Katoon the best, bah ouais, bah, j'aimerais bien aller le tester un de ces quatre, mon cher Katoon. J'espère que t'as raison, Christophe. Je pense que t'as raison vu tous les avis positifs qu'il y a, mais voilà, maintenant faut que je trouve un avion et de Lille, des avions jusque Mirabilandia, il y en a pas par milliers. Alors ouais, ça passe, hein, ça passe. Superbe, superbe, bah, ça le fait, j'ai l'impression. Ça le fait, ça le fait. Je vous propose un petit test.
jusqu'ici pour voir s'il n'y a pas trop de... N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous voulez comme élément après. Moi, je serai parti sur un Gérol, mais voilà, c'est justement, si vous êtes là, c'est pour faire un espèce de coaster communautaire. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Alors, voilà. Écoutez, on va tester, hein. On va tester. C'est parti, mon kiki. Donc, la petite hotline roll en départ de station. Je trouve que ça met, voilà, ça met directement dans l'ambiance. Hein. Allez, boum, c'est parti. Tu vas enchaîner les inversions et tu vas touiller. Tu vas touiller à mort. Voilà, le pré-lift. J'accélère un peu le lift hein, parce que bon, c'est pas tout ça, mais un lift, voilà, ça fait monter l'adrénaline, mais bon. Voilà, la petite pré-drop. Et la drop. Ouais, j'ai un problème avec ce début de drop, je sais pas ce que vous en pensez, ouais, quoique. Ah là, il y a un petit à-coup là, ouais, ça se resserre vers la fin, il y a des à-coups, on va smousser tous ces à-coups là. Voilà, mais sur l'idée, ça passe bien. Alors, il y a des à-coups, coaster unfreeze. Alors, salut tout fun 13. Enfin, tout fun ou t'étais fun, hein, je sais pas ce que. Comment tu dis ça? Moi, j'appelle ça tout fun parce que ça me fait rire. Alors, donc, on l'avait des à-coups au niveau de la drop. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner la totalité du rail pour smoother, essayer déjà d'enlever un maximum d'à-coups. Voilà. Donc ça rame, ça rame. Alors parce qu'il y a des à-coups qui sont au niveau de mes rolls aussi. Hein. Et je pense que essentiellement ils sont au niveau de mes rolls. Parce que ouais, là ça, je vois pas d'à-coup ici sur ma drop. Je parle au niveau du, ouais, de la forme de la drop. J'ai pas l'impression de voir d'à-coup. Donc c'est que ça sent bon quand même. Hein. C'est vraiment que les à-coups ils sont au niveau de mes rolls. Et pas Errol la chouette dans Harry Potter. Hein. Allez blague, ça c'est fait. La première blague pourrie de la soirée, elle vient d'arriver. Hop. Voilà, si ça se resserre, si la drop se resserre à la fin, c'est normal, c'est pour accumuler des jets et vous en mettre plein la vue et plein la gueule. Taper des voiles gris et voilà, bon pour l'instant on est pas, regarde, on a combien de jets en bas de drop? 3,3, ça reste raisonnable, hein, ça reste raisonnable. En début de loop, 3,7, voilà, 3,8, on a presque à 3,9, c'est bien. Et là aussi, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ah bah d'accord, donc je t'appelle tout fun 13. Ça fait un peu ch'ti, hein. Untouf, tout fun, c'est un peu l'inverse d'untouf. Untouf pour les ch'tis, c'est voilà une grosse touffe. Ouais, ch'ti est fier de l'être. Ch'ti est fier de l'être. Bon, allez, on part quoi? On part sur du 0G? Est-ce qu'on part sur du 0G classique ou ouais. Ouais, on va partir là-dessus et après redescendre un peu plus bas, bah un peu à la Banshee. Hein. Sauf que j'ai envie de faire un pur Cobra Roll ensuite. Alors, est-ce que... Ouais, on va faire ça. On va faire ça, je vais juste regarder parce que là, il va partir vers le fond. Cobra Roll, il va revenir comme ça. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Donc, pour faire un 0G, comment on fait? Hop, moi je prends à peu près généralement la moitié du loop. Faire un espèce de... Une espèce de grosse bosse, un gros camelback d'inverted. Hop, et on va le descendre vraiment bien bas. Faut que le voilà, comme un peu comme Banshee, hein. C'est vrai qu'il s'inspire un peu de Banshee au niveau surtout de l'agencement du coaster, un peu un terrain coaster avec une pointe de vitesse qui se situe après 0G roll. Mais bon, pourquoi ne pas s'inspirer des bons coasters? Si je m'étais inspiré des bouses, à la limite.
Voilà, je peux comprendre que vous m'auriez blâmé, mais bon, voilà, là, c'est. Je suis sur des bons coasters, hein, des bons coasters. Alors, perte, je viens de recevoir une notification perte d'image, donc j'espère que ça va pour vous. Moi, je regarde là sur. Je le vois, donc. Enfin, je vois que le live marche toujours, donc c'est que ça va. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des petits problèmes, des petits bugs d'image. Hop! Voilà, donc ici, on est à combien de G? 0,49 et je pense que quand on va tourner le rôle comme ceci, 1, 2, 3, 4, ça devrait passer du 0G. Voilà, je vais essayer de le mettre plutôt. Ouais, là ça va le faire. Là ça va le faire. Bah tout fun, merci de me dire que je suis un boss, je me qualifierais pas comme boss, mais bon c'est gentil, ça me fait plaisir. On va dire que je prends vachement de plaisir à Snow Limit 2, encore beaucoup plus que là en même temps, il est vraiment génial Snow Limit 2. Je trouve que tu peux faire, t'as des possibilités, c'est génial. C'est génial. Alors là, rajouter quelques rôles comme ceci pour éviter, voilà, là, qu'il y ait trop de latéraux. Alors là par contre celui-là il est peut-être un petit peu en trop. Ouais, ça va le faire. Alors je vais juste mettre moins 10 comme ça. Si je fais. Ouais, voilà, ça le fait. Alors comme ceci. S'ils sont au niveau des sons, tout ça, enfin j'y pense maintenant, mais n'hésitez pas à me dire hein, si c'est trop fort. Voilà, enfin dites-le moi. J'ai l'impression que le 0G roll, il n'y a pas trop le 0G roll. J'ai l'impression qu'on va se prendre, ça va être un 0G roll à The Monster, un truc où on va se prendre des baffes méchantes. Hop, je mets quelques rolls histoire de bien bien smousser tout ça. Dégage le chat, tu m'énerves. Chut, allez, bouge. Donc, speed camp, on passe à combien de kilomètres heure? On passe quand même à 65, on passe vite et là-bas on est à du 105 alors que là-bas on est à du 97. Alors je prends j'en suis où? Alors ouais, j'ai déjà utilisé la custom friction. Si bon, ça change que vous enfin ça dépend comment on va la programmer, mais si vous programmez moins de friction, en fait la vitesse diminuera moins sur l'ensemble du rail, en fait ce qui fait que par exemple si la drop est à 40 mètres, vous pourrez faire un loop à 35 mètres sans qu'il perde trop de vitesse parce que la friction aura été changée, la friction aura été plus faible. Voilà, tandis que si vous augmentez la friction et que vous faites une belle drop de 40 mètres, vous mettez une friction à max, ça va pas beaucoup descendre. Voilà, c'est un peu ça le truc de friction. Bah voilà, bah GF314, un Guigui, tu l'avais bien dit. Ouais, bah tu peux le tenter, hein. Tu peux le tenter, Christophe, parce que voilà, ça marche bien. Voilà, et un décalage, King, tu dis un décalage entre quoi et quoi, entre ma voix et l'image, ou un décalage de ma voix et enfin de comment dire, j'arrive pas à m'exprimer, un décalage de enfin moi ce que je vois, vous le voyez 5 minutes après. Voilà, c'est ça, parce que t'as compris, si t'as pas compris, je peux comprendre parce que j'ai pas été clair, mais j'espère que tu m'as compris. Voilà, il y a une minute de décalage, oui, tout, ouais, c'est ça. Il y a pas une minute, il y a quoi? Je pense qu'il y a une trentaine de secondes de décalage entre ce que je filme, le chat, tu m'énerves. Entre ce que je filme et ce que vous voyez, en fait, c'est ça, il y a une petite minute. Alors au niveau du 0G roll, il y a l'air de bien passer, il y a l'air quand même de bien passer. Mais la rotation se fait, si vraiment on est à 60 km heure, la rotation va se faire un peu trop forte. Je vais juste mettre. C'est ça que je cherchais. Hop. Voilà. Voilà, je suis désolé, j'ai eu un appel sur mon téléphone. Alors, dans quelle option Coaster Friction? Je vais aller te dire ça après. Bah, je vais te dire ça tout de suite.
Tu vas dans donc Coaster Properties et tu vas dans Mode et dans Physics Model. Tu as donc nos limites de standard, nos limites de with custom frictions. Donc voilà, et là tu peux paramétrer. Donc là, tu as constant friction parameter et air resistance parameter. Donc voilà, tu peux choisir ta friction ici. Donc plus tu diminues là-haut, plus ta friction va être faible et plus ton ride va aller vite. Enfin, la vitesse va moins se perdre. Voilà. Donc moi je reste en standard. Et puis donc on va tester ça. Par contre, sachant que je vais avoir entraînement après, je vais pas tarder à arrêter pour cela. Je vais essayer peut-être faire le Cobra Roll et encore, si j'ai le temps. Mais voilà, je suis désolé, j'ai tenu 45 minutes, ouais, parce que j'avais prévu une heure et demie, mais bon, 45 minutes, je vais tenir encore 10 minutes, ça fera 55, ce sera à peu près ce que j'avais prévu, donc c'est plutôt pas mal. Bon, j'accélère cette partie que vous avez déjà vue. Avec le soleil qui arrive, ah, j'ai oublié de mettre mon environnement préféré. On le mettra après, on changera d'environnement et puis je vais arrêter là-dessus. Bon là, c'est un peu mieux la drop. C'est un peu mieux au niveau du 0G roll. Bon, il y a l'air un peu speed. Il y a l'air un peu speed, mais bon, il est pas pire que The Monster, je pense. Pas pire que The Monster. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Alors tout de suite, ce que je vais faire, regardez, c'est mettre l'environnement magnifique. De comment il s'appelle, je sais plus, c'est Dapalms peut-être qui avait fait cet environnement qui était superbe. Et en terrain, j'ai un terrain spécial pour mes coasters que j'ai créé avec un peu de boue, enfin, des trucs comme ça, des trucs qui vont bien. Donc je load directement, voilà, setup all in one, c'est mon herbe un peu plus haute, vous voyez, j'ai customisé un peu l'herbe, voilà. Et donc je vais reload le parc, hop, open recent live one. Au niveau de l'outline, c'est pas mal. Ouais, ça passe bien. Ça passe bien. Alors, entre la vidéo et le chat, entraînement de quoi? Entraînement de basket, tout fun. Entraînement de basket. Ouais, avec ma carrure et mon mètre 76. Oui, je fais quand même du basket. Et je prends vachement de plaisir à faire ce sport qui est l'un des meilleurs sports du monde. Voilà, voilà. Donc, on va se quitter là-dessus. Sur ce petit coaster. Donc voilà, les couleurs aussi changent avec cet environnement, enfin c'est vraiment, il est vraiment magnifique. Donc faudra faire un peu le terrain demain ou pas, je sais pas, qu'est-ce que je peux, demain peut-être, non demain je pourrais pas live. Vendredi peut-être que je pourrais live, je sais pas. De toute manière, je vous tiens au courant sur le groupe Facebook de nos limites francophones, hein. Si vous n'avez pas le lien, je vous invite à le chercher sur Facebook ou à aller regarder sur mon compte Facebook nos limites francophones. Je vais le poster là juste après le live. Bah voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais regarder vos dernières questions. Est-ce que vous pouvez changer la hauteur de l'arbre? Oui, vous pouvez changer la hauteur de l'arbre en fait en paramétrant juste le fichier 3DS. Parce que voilà, vous avez une hauteur spéciale, donc un XYZ, donc de 1 de paramétrer de base, et vous pouvez le changer à 1,2, 1,3. Voilà. Au passage, si certains d'entre vous ont des questions, des remarques concernant la section jeux vidéo de Coaster World, n'hésitez pas, ce n'est pas souvent que nous avons l'occasion de discuter en direct. Oui, tout à fait, t'as raison, Guigui, de le préciser. Au niveau des virages, comment accorder à Théma, c'est Bast, enfin Natesap, qui avait fait un bon tuto comment exporter juste la outline. Donc ce qui fait que vous savez à peu près comment exporter l'outline et comment est votre outline, et après vous adaptez les objets au ride. En tout cas, bah, merci à tous d'avoir suivi. J'ai fait un live de je ne sais pas trop combien de temps, j'ai pas trop vu. Ouais, je vais être à allez, 50 minutes. Bah, le prochain sera peut-être un peu plus long. J'ai pas envie de live pour live, hein. J'ai vraiment envie d'avancer avec vous. Là, voilà, j'ai bien avancé. Je fais le pré-lift, lift, loop, 0G roll. Et on se retrouve très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi. Vous étiez 7-8. De temps en temps, vous étiez 8. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. À la prochaine et portez-vous bien. Et merci à tous d'avoir été là. Allez, ciao, ciao.